Et salut tout le monde, c'est Kevo et on se retrouve pour l'épisode 3 de notre aventure sur la CTM, Linecrawl. Donc comme d'hab en compagnie de Schnapsix, salut. Salut, salut, salut. Comment ça Bah très bien, et toi? va? Ouais, tranquille. Donc Bah du ça y est, la coup. dernière fois on avait trouvé la deuxième laine orange. Non, non, Schnapsix, n'y va pas de suite, n'y va pas de suite. Et Ok, cette fois bon, en fait, désolé. avant de partir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste créer une toute petite zone. C'est encore des. Ouais, c'est des dalles. Non, non, on fait juste une entrée, histoire de pouvoir foutre Non une mais porte. je regardais juste si c'était des dalles ou pas. Ah ouais, ils sont des enfoirés par contre, ceux qui ont fait la map. Méchant. Ouais. Attends, on va faire une petite porte, tu vois, parce que bon, on est des mecs comme ça. Ouais, nous on est raffinés. Ouais, enfin, bref, ouais. Alors, du coup. attends, j'ai Épisode quoi qu'on va comme. faire, je pense, nettement moins long que la dernière fois. Faut pas abuser. Ouais, en fait, oui, non, mais c'est bon, ça marche. Oui, c'est juste moi qui étais totalement con et qui sait pas lire. Ouais, non, c'est que la dernière fois, en fait, Schnapps avait essayé de me frapper avec son épée bandard arthropode pour me tuer et que je régène ma bouffe. J'ai plus de pioche, super. T'en as plus du tout? Non, vas-y, pioche, à toi. Ah, c'est bon. Enfoiré. Parce qu'en fait, moi, je te regardais faire, mais bon, techniquement, je peux t'aider. Donc, du C'est coup. bon, on va juste faire ça, gars. On laisse juste de ça, on met les deux coffres. C'est bon, vas-y, tu cou... Et là, tu traces là, tu tapes la dernière truc de profondeur, voilà. Hop. Voilà, faut y un deuxième coffre aussi possible. J'en ai un deuxième. Hein. Bah vas-y, mais moi je vais mettre la table de craft à côté. J'aurais bien mis un four, mais il nous servirait à rien. Puis de toute Pour le façon, on n'a pas de moment, on n'a pain. rien, ouais. Et je mets les lits. Vas-y, mets les lits. J'espère que c'est la nuit, par contre. C'est bon. Ouais, c'est bon. On la fait passer ou on se laisse Ouais, juste le vas-y, on se fait spawn? passer la nuit. Ok, ça sert à rien, clairement, mais bon, on s'en fout. Bah, de toute façon, on sera en souterrain à partir de maintenant, mais voilà. Bon, du coup, on a fait un petit peu, voilà, on est un peu con. Mets les dalles. Voilà. Donc on va mettre ça, tout le bordel. L'os, on le garde, très important. L'os, mets-le là, ouais. Non, mais mets-le quand même dans le coffre. Ça, on en reviendra de toute Oui, façon. justement. Donc moi, il me reste un stack de planches, donc c'est cool. Anvil, on laisse là. Mais pourquoi il nous a donné autant d'enclumes, sérieux? J'en sais rien. Je vais en garder une sur moi, quand même. Je vais en Au garder cas où, ouais. 5. Au cas J'en garde 5 sur moi. Puis du coup, bon, on peut continuer, je pense, hein. où. Ouais. Bon, bah, allez, go. Est-ce qu'il y a des spiders Attends, ici? gars, Ah, mec, 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 j'aimerais mec, mec. équilibrer un peu mon inventaire, me faire des Mec, nouveaux outils. si on trouve 3 fers, on a. Mec. Putain, le sneak qui s'est enlevé, quoi. Salut! Ouais, 30 secondes. Je compte en fait faire. Je me refais vite fait mon stuff moi. Tu refais un stuff, c'est-à-dire? Je me refais une nouvelle pioche aussi, comme ça j'aurai deux pioches. Je me refais une nouvelle épée, comme Bah. ça j'ai deux épées. Moi, je vais. Bah, la hache, elle sert plus à rien, en fait, donc on s'en Là, je fout. sers plus à rien non plus. Et je garde mon cuir tranchant recul. Ah, une Sun Damage, je vais la garder. Ender Pearl, je vais L'Enderpearl, garder je la. aussi. Bah vas-y, tu la prends. Prends l'Enderpearl. Les laines, on s'en fiche. Les strings, on s'en fiche aussi. Oh, mais en fait, on est Les tellement con. strings. Ouais. Est-ce que tu sais pourquoi? Pourquoi? Bah, tu sais, on s'est emmerdé à aller chercher des laines pour faire les lits. Mais depuis le Ouais. début, je suis là en mode, ouais, j'ai 12 millions de fils. Est-ce que t'es comme moi au courant qu'on peut faire des Ah laines avec ouais, les c'est fils? vrai. Et que tu as oublié sur le coup, hein, qu'on est totalement con. Bon, bref, on s'en fout. De toute façon, ça, c'est pas une nouvelle, hein. Oui, bah ça. Ah, 13 flèches à Je prendre. fais la porte. 1, 2, 3, on va se faire un arc. Enfin, je me fais un arc parce que moi, j'en ai pas. Hop. Allez, Ouais, moi moi. je suis ok. Attends, Bah, et si on moi. se retuait une dernière fois histoire d'avoir toute la bouffe pour commencer bien? Non, moi, bah, je viens de mourir, donc Moi, s'il bon. te plaît, tu peux me tuer? Et pas avec ton épée en or. Hein. Oh putain. Voilà. Donc ce bloc m'en bat les couilles, Allez, viens, clairement. on y go. Je prends les sticks. Bah, tout le reste on s'en fout. Prends une instant damage, ça peut toujours servir. J'en ai déjà une, hein. Ah bah prends-en une autre. Ah non, c'était pas Moi une instant damage. J'en ai une je. de rapidité. Alors attends, voilà, on peut y aller. Alors, attends, il y a les noms des laines, Alors hein. mec, est-ce que t'as vu le coffre en bas? Parce que si on arrive à se faire un saut, on a un coffre. Donc ça, il est où? Ender chest, génial. Juste en dessous là, attends, je vais essayer de te montrer. Il est. Ah Ah ben non, en ouais. fait non. Non, non, en fait non, faut juste descendre, on n'a pas besoin de saut. On essaie de se le tenter? Ok. Ouais. Moi j'y vais, hein, je m'en bats les couilles. Bloc, s'il vous plaît. Hop. Sinon, je peux y aller comme ça aussi. C'était quoi? T'as la mèche? Oh putain! Ah!
non, non. Oh putain. Oh non. Je m'y attendais tellement pas. Oh, ça commence fort au moins. Oh, mais heureusement que... Oh putain, mec. Donc, du coup, j'ai eu... Oh, trop bien, mec. Quoi? Prends ça, par contre, tu me promets que tu me le rends. Oh, trop bien pour le charbon. C'est pas un bâton recul? Non, c'est du looting 3. Bon, par contre, c'est de la merde. Parce le bâton que... du farmer. Ah non, pour la bouffe. Mais ouais. Vas-y, viens. Non, de toute façon, moi, j'ai mon cuir qui est recul 1. Il est tranchant. Hein. Ouais. Bah moi, du coup, j'ai un... Ouais, trop bien. Et le mec, il s'appelle... Attends. Attends, du coup, est-ce que ça mine vite? Non, bah non, ça mine pas du tout vite, c'est un stick. Donc, du coup, on a... Grails Valley, donc là, c'est d'où on vient. March of Decay. On a... On a quoi? On a... March of Decay. Et là, par là, on a Culver Creek. Et... Je sens que Culver Creek va être bien galère, donc je propose qu'on aille sur le March of Decay. Et là, attends, on a Stormcliff Castle. L'entrée, elle est où? Ah ouais, il y a une entrée là-bas. Je propose déjà, avant de faire quoi que ce soit, de sécure un peu cet endroit. Ah, parce qu'il est pas très très rassurant, ouais. Du coup, je vais aller un peu miner sur les côtés, ou alors non, je vais à la base chercher les blocs qu'on a. En même temps, je passe, je récupère des flèches au calme. Putain, l'enculé. Hop, hop. Ah, je récupère des blocs pour sécure tout ces... Ouais, parce que là, c'est pas que c'est un peu casse-gueule. Eh, mec? Ah non, c'est la suite, en fait. J'ai cru que c'était un autre endroit, mais... Putain, les blazes de la mort, quoi. Ah, les enculés. Ah, ils nous ont bien nus, là, par contre. Mais je m'y attendais tellement pas. Ah, ben, ça y est, on a de l'opsy en bas, officiellement. Hein. Ah ouais, bah ouais. Alors là, je propose de torcher comme un gros sac. Ah ouais, complètement. Et on va là-bas, c'est bien March of Decay, là-bas. Ouais. Et bah, c'est parti. Je le sens bien, non? Enfin, je dis ça, après on va encore gueuler et rager, quoi. Ah, par contre, c'est assez beau. Même s'il fait très noir, c'est assez beau. Waouh. Sexy. Moi, je saute pas, je suis pas un taré. Je sais pas ce qu'il y a en bas, donc j'évite. Moi, j'avance lentement en torchant la zone. Alors, on sera bien obligé de sauter au final. Est-ce que t'as du charbon? Non. Bah moi, les gars, on n'a pas le choix, on va sauter. Je saute, j'y fous ma torche. Saute sur l'arbre, putain, mais il est complètement con. Mais non, parce que sur l'arbre, tu vas prendre des dégâts, là, je suis dans l'eau. Ouais, mais je m'en fous, moi, de prendre des dégâts. Moi, là, je suis tranquille, tu vois, il y a personne... Par contre, passage, j'ai de la canne à sucre. Hein. Oh, cool. What the fuck? Pourquoi je l'ai mis aussi cher, le pauvre? T'as des torches STP ou juste du charbon? Torche, j'ai masse torche, mais là, je me fais gong bang. C'est trop cool sur mon point de vue. Eh mec, j'ai tout l'aggro, j'ai l'aggro, grouille-toi, passe au moins, passe au moins. Ok, bon, j'arrive. Je vais crever. Ouais, au final, on y va plus méthodiquement, hein, laisse. Qu'est-ce que j'avais dit? Y aller méthodiquement et ne pas sauter comme un gros sac. Ouais. Et qui c'est qu'on n'a pas écouté? Bah c'est Bibi. Au passage, on a du bois si jamais. Donc voilà, mais même si on s'en fout en fait. Pour le moment, ouais. Hop, donc j'ai canne à sucre. J'ai pas tout récupéré, mais j'en ai. Vas-y, je vais buter ce putain d'archer de merde là. Évidemment, je sais pas viser. Mais meurs, bâtard. Voilà, merci. Putain, donc, ouais, c'est un peu pas foutre. Du coup, t'es revenu ou pas? Ouais, là, je suis en train de manger pour le côté, sur le côté. Bah, moi, je propose... C'est que des zombies, donc, très franchement, si on... Attends, au pire, on va faire un truc bien bâtard. Oh, mec, attends, il y a des blocs de cobble ici. Est-ce que je viens d'avoir un... Ah non, c'est que de la cobble, moi, ici. Il n'y a pas de la cobble normale. Ah, mais en fait, il y a un putain de spawner de mort. Ouais, il y a pas mal de spawners, donc moi, je serais pour qu'on y aille méthodiquement. Ah, je vois, viens de voir un spawner, je vais y accéder sur le côté. Ah non, mais parce que maintenant, les gens, on a bien compris la dernière fois, on s'est fait gang bang, on y va en mode technique du lâche. On y va en lâche. Ah non, j'ai eu peur. J'ai cru que le spawner, c'était genre un spawner de zombies, mais les zombies à deux points de vie, tu vois, mais non. C'est juste l'effet du creeper qui avait fait ça. Bon, moi, je récupère toute la canne à sucre. Est-ce que t'as des torches, du coup, pour moi? Parce que du coup, moi, je peux me battre, mais je peux pas... Torcher tout? Ouais, j'ai des torches. Je peux pas torcher, ouais, c'est un peu la merde. Donc attends, je te rejoins. Putain, mais mec, tous les zombies. Mais comment moi je passe à la fourbe? Mec, t'es là. The Walking Dead, tu connais? Ah ouais, c'est exactement ça. Putain, mais t'as un spawner de ce côté-là, là. Il est où? Il est à travers le mur, le spawner, je crois. Ah, il y a une maison, moi, je vais dedans. Putain. Vas-y, on go dans la maison. Je go dans la maison aussi. Non, mais en fait, il y a un spawner, oublie. Oups, je vais mourir. Je suis Joe le torcheur, wesh. Putain, je vais crever. Je vais crever sa mort.
Vas-y, épée. Putain, j'ai plus d'épée, merde, le con. Bon, vite, j'ai le temps de m'en recrafter une. Ah, okay. J'ai un spawner et un coffre. Je vais casser le spawn. Pète, pète, pète. Toi, crève. Ah, mec, c'est trop bien. Attends, je crois que j'ai trouvé le... Oh, mec, c'est la vie. En fait, une fois que les... Ah non, non, mais non. J'ai trouvé du pain. C'est complètement... En fait, je sais pas, c'était juste une impression que j'avais, mais en fait, pas du tout. Là, t'en es où ? J'avais l'impression qu'en fait, les zombies qui étaient dans l'eau, ils avaient que un point de vie, tu vois, genre, tu leur mets un coup d'épée, ils sont finis. Bah, je crois que je... En fait, ah, j'ai déjà cassé un spawner, mec. Mec, moi, je vais crever. Ah. Je crois qu'il y a un spawner par chaque maison, en gros. Non, en fait, je crois pas qu'il puisse m'atteindre d'ici, donc... là, je peux mettre en calme. Eh, mais mec, faut vraiment qu'on mette un compteur de mort, hein, ça... Oh ! Putain, je suis un putain de chatteux. Est-ce que tu me crois si je te dis qu'un zombie m'a loupé du fer? Oh, sérieusement? Oh, tu gères. T'as eu combien? Bon, bah par contre, j'en ai eu qu'un, faut pas déconner. Ok, ouais, ça y est, on va se faire une pelle en fer. Une pipi pour... Bah c'est cool, je vais mourir. Non, c'est bon, je suis pas mort. Pas encore, en tout cas. Attends, ah ouais, je vais passer par le même chemin que tout à l'heure. Ok, je suis pas encore mort, c'est une bonne nouvelle. Par contre, ils sont tous sur ma gueule, là. Genre, s'il y en a un qui arrive à passer, je suis mort. Ok, je me remets là-haut. Tant qu'il n'y a pas de squelette, c'est bon, je crains rien. Ouais, t'en as un qui spawn, t'as un spawner là dans le mur, mais il est où? Bon, en fait, ça sert à rien ce que je fais à part gagner deux. Oh merde, wow, The Walking Dead, mais puissance 45, ouais. Ah oui, bah là c'est assez... Attends, et là c'est cool, regarde, ils ont tous la grosse sur moi, et je suis en hauteur. C'est vrai que je peux les tuer à la play, quoi. Vas-y, attends, et j'aggro toute cette zone, essaye de passer par derrière, YOLO. Bah attends, là je suis en train de me fight contre au moins 12 millions de zombies là. Ouais, sauf que là j'ai un aggro général, j'ai l'impression. Et puis j'ai un seul demi-cœur, un pauvre demi-cœur de merde. Donc attends, je suis en train d'essayer de régénérer. J'ai la moitié des zombies de la salle qui sont aggro sur moi, donc si tu passes de mon côté, essaye de vite passer en mode furtif, tu te feras pas choper. En fait, je sais pas où t'es. Mec, il y en a un qui a looté une carotte. Je vais la chercher, je m'en bats les couilles. C'est vrai ? Ouais, je vais crever, mais j'étais la chercher. J'étais en mode YOLO, je les tuais tous, mais j'étais la chercher, désolé, mais voilà. Putain, c'est la merde. Putain, mais j'ai tellement pas de torches, c'est trop chiant. Ok, je suis mort, c'est bon. Tranquille. Est-ce qu'on a du charbon dans la salle ou je sais pas où là? Oh, on va tout péter. Putain, attends, il y a mon cuir. Non, on n'a pas de... Attends, du coup, je vais moi faire la masse d'épée, moi. Hop, on va se faire 1, 2, 3, 4, 5 épées. Parce que c'est que du bois de merde. C'est quoi, ouais, j'ai un cuir, il tue encore plus les zombies qu'avec une épée. Ah mais attends, moi je peux utiliser ma looting. Bon attends, je vais un peu me régénérer. Eh hey, mes gars, je commence à avoir plein de bouffe là. Moi j'ai 25 rotten. Mais c'est tout. J'ai crevé. Eh hey, mais j'ai réussi quand même à sécuriser bien une zone là. Bah moi si j'avais des torches, je pourrais, tu vois. Ok, donc là il y a un... Donc là, il y a un putain de spawner, t'es mort. Putain, mais sérieux, je ne peux rien faire avec ces foutus mobs. Oh, mon dieu, mais quand on regarde d'en bas, combien il y a de zombies, ouais. Mais oui, c'est... Wow. Ah, je te vois, je suis au-dessus de toi. Putain, mais touche, putain. Mais quand tu crèves, passe par le même chemin que moi, t'es dans une zone complètement sécu quand tu suis le chemin que j'avais fait. Ouais, mais il y a des spawners, j'avais envie... Ah ouais, d'accord, je viens de te voir. Et là, en fait, regarde. Donc là, tu peux pas monter, mais regarde, normalement, là, j'ai tout l'aggro. Ah ouais, d'accord. Vas-y, prends l'aggro, s'il te plaît. Prends l'aggro que je puisse aller tranquille péter les spawners. Allez, venez. Venez. Allez. Ah, merci. Putain, par contre, là, c'est la merde. Faut que je me mette à l'abri. En mode... En fait, je m'en bats les couilles. Moi, je vais monter dans tout ce qui est cabane. Il y a les spawners, mais il y a aussi des coffres. Bon, là, j'en ai marre. Donne-moi des torches. Niquez vos mères, vous. Hop, attends 30 secondes. Je vais finir de sécu cette zone. Hein. Voilà. Ok, il y a un coffre ici. La laine ! C'est vrai ? Ouais, laine violette. Oh yeah. Ok, j'en ai une, on va vite poser ça. Et après, bon, on est à combien de temps là? On est à 14 minutes. Ok, et après, on te sécurise à fond cette zone, et on te récupère tous les coffres qu'on peut récupérer. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est hyper rapide, il y a combien de laine, t'as dit? Une vingtaine? Ouais. Attends, en fait, on va bien voir ça. Attends, non mais gars, ça c'est une petite zone, ça c'est les zones de début. Les zones de début sont toujours assez simples hein, par rapport aux dernières. Oui. Alors très clairement, moi je récupère toute la canne à sucre possible. Même ça servira à rien en fait. Oh putain. Putain, on va galérer par contre à remonter. Vite les blocs, vite.
Oh putain! Vas-y, rejoins ma tour. Emmerde-toi pas à faire un truc clean. Hein. Parce que tu vois, en plus, je suis une merde. Ah, mais je m'en branle, moi, du truc clean. Hein. Je me casse, c'est tout. Hein. Par contre, le bois part très vite. Hein. Ouais, bah, on a des forêts. Mais mec, là, on retourne après. On essaie de te clean au maximum la zone. Et on essaye au passage de. Comment dire? On se fait du bois. Ouais, et non, et surtout, on essayera de récupérer des pousses. Ouais, bah, de toute façon, comme ça, en plus, j'ai une carotte. Je la mets en sécu, j'ai une carotte. Ah yeah, mais du coup, on va pouvoir planter et tout dans cette zone. Non, justement, on va pouvoir se faire des plantations. Et j'ai en plus eu tout ce qui est pain et tout. Donc, ouais, même si le mieux aurait été la patate. Ah, la patate, ça aurait été la vie, la patate. Mais carotte, c'est déjà pas mal. Ouais, bah, moi, je m'emballais, hein. Je vais direct poser la laine. Ah oui, c'est vrai, la laine, merde. T'as pris ta laine au moins. Hein? T'as pris la tienne? Oui, je l'ai prise. Allez, on va poser ce truc. Là, par contre, c'est tellement chiant, va falloir qu'on se fasse... Ouais. Genre, dans un escalier ou je sais pas quoi, quand on aura le temps. Ouais, mais mec, monter, par descendre contre, à chaque fois. C'est tellement jouissif de récupérer une laine sur cette map. Bah là, ça va, c'était pas trop compliqué, c'était juste invasion. Ouais. Par contre, ah oui, s'il y a des gens, parce que je pense qu'il y en a qui se posent des questions... pourquoi est-ce que je régène pas de ma bouffe alors que j'ai nettement de quoi me régène ma bouffe en ce moment? What? Ah, c'est toi qui as rebouché. Oui, c'est moi qui ai rebouché. Pour attends, je vais peut-être la régène un petit peu en ce moment. Mais c'est qu'en gros, je préférerais faire... Là, j'ai justement régène ça pour pouvoir courir et déposer la laine. C'est juste qu'en fait, je préfère attendre qu'on ait plein de bouffe. Oui, oui, franchement, là... Bah là, ça, tu me diras avec la zone de zombies, et moi, j'ai 31 rotten flèche, donc... Moi, j'en ai pas mal aussi, j'en ai... 23. Ouais, putain, faut éclairer là aussi en fait. On n'avait pas éclairé? Bah non, il y a un mob qui a spawn. Ah bah il spawn sur les bords parce que regarde, on n'a pas éclairé les bords. Mais oui, puis moi j'ai pas de torche. Alors attends, c'est laquelle? C'est la magenta. Hop, parfait. Du coup, tu vas en profiter pour me donner des torches. Bah il y en a encore à la base, on s'en recraftera d'autres. Allez, je pose ma magenta. Attends, du coup, je vais aller ramasser... Mais un truc qui me dérange vraiment, c'est que regarde, les laines, là, à part ça, on dirait qu'elles suivent l'ordre. Donc, est-ce qu'on n'en aurait pas loupé une? Non, t'inquiète. Ouais, t'as raison. On s'en fout. De toute façon, si à la fin de la série, on voit qu'il manque une laine, c'est que et qu'on verra que toutes les laines se suivent et qu'il manque la première, c'est qu'on écumera complètement cette zone, quoi. Oui. Je vais regarder si... avec la looting, par contre ça va être très long. J'espère pouvoir récupérer, parce que si je me fais niquer un charbon, bah je l'ai dans le cul en fait. Bah, est-ce qu'avec ta looting, je me demande, t'auras plus de chance en tuant un zombie de récupérer genre une patate? Non, en fait la looting ça augmente... Les probabilités de drop, mais je me demandais sur non, la non, patate. Non, ça augmente pas la probabilité, ça augmente si elle drop, elle droppera plus. Ah ok. Et je me suis fait niquer un charbon. On sait quand qu'on a de la cobble, parce que là, ça me saoule. Ouais, peut-être au fond de la zone justement. J'espère. Bon, allez, de toute façon là on est même pas. Là on est quoi, 16? 19. 19 dans 8 secondes. On aura donc 11 minutes exactement pour t'écumer la zone et te prendre le maximum. Oui, c'est faisable. Ah, ma hache a pété, génial. Bon, Osef le bois. On retourne à la base et on se fait un stock de torches. Moi je vais me suicider comme ça, je retourne à la base et en même temps. Ouais, parfait. Ouais. Par contre, on entend un petit écho là. Ah, ouais. Toujours en écho là ou pas? Non, non. Non, ah, c'est si. Bon. Si? Ouais, par moment. Ah, bah je sais pas d'où ça vient, au pire on s'en fout. On réglera ça allez, pour dans la pause. Putain, mais je suis toujours pas mort, t'es sérieux? Gros bâtard. Putain, mais il me manque un pauvre cœur quoi. Non, moi je rentre à pied, hein, je suis déjà à côté. Bah moi en fait, disons que je peux plus courir donc ça me saoule. Tiens, j'ai trouvé où il y a le spawner, il y avait un spawner depuis tout à l'heure, je savais pas d'où il venait, il y en a un dans le toit. Ah, je suis mort, très bien. Putain. Merci le compteur de mort qui est toujours pas là. Bon allez, moi je vais vraiment me faire c'est quand même la loose qu'au troisième épisode on ait fait autant de morts, donc je suis content qu'il soit pas là. Alors on se refait des haches. Putain, putain mais bien. Mec, tu verrais mon inventaire, il y a 5 épées, 2 pioches, 2 haches, c'est n'importe quoi. Ah il est là, putain. Et j'ai 12 flèches, génial. Est-ce qu'il n'y a pas des autres coffres secrets ici? Ou est-ce qu'il n'y a pas juste du charbon? Ça pourrait être sympa du charbon. Mais t'es à la base? Bah je suis à l'intersection là. Mais mec, remonte à la base. Remonte à la base. Pourquoi? On va te faire le plein de tout ce qui est torche et tout. Ah oui, torche. Moi j'ai un lingot de fer là.
Parce que je suis un gros château et j'ai looté sur... Ah, une carotte. Du coup, j'ai... Ah, 11 os. Donc du coup, je vais prendre tout ce qui est bouffe sur moi. Ça, comme on ça, le fera, je pense, hors cam, ça, on se fera un petit champ vite fait avec les os et au tout. Pire, on se fera une putain au pire, de je laisse de tout carottes. Ça là, le fer ici. En fait, du coup, ça sert à rien de tout laisser, quoique si, en fait. On va laisser un peu d'épée ici, quand même, parce que bon... Les anvils, du coup, ça sert à rien. Tiens, 20 torches. Ah, cool. Je me refais une autre épée, vu que je pense qu'on en aura bien besoin. Au pire, tiens, il y en a déjà deux dans le coffre. Ah. Si tu veux une hache, tiens. J'en aurais pas besoin, je pense. Ok. Bon, bah, moi, c'est bon, je suis ready. Je vais voir s'il n'y a pas des trucs à récupérer sur cette zone. Genre là-haut. Est-ce que c'est pas complètement suspect? Vas-y, j'ai envie d'y aller. C'est très risqué. Tu risques vraiment de crever, mais ça m'a l'air suspect, ouais. Putain, mais je suis vraiment une merde. Oh non, n'y va pas. S'il te plaît, un conseil, n'y va pas. C'est que je pense que c'est des blocs qu'il a fait tenir là-haut grâce à un command block. Et je crois que dès que tu vas rentrer en contact avec ça, t'auras tout qui va tomber. Ouais, je vois. J'ai peur que ça fasse ça. Ah, et du coup, gros crash serve après, parce que l'eau, on connaît, hein. Ouais. Du coup, je remonte. Ouais, parce que pour ceux qui savent pas, en fait, de base, c'était le serve de Dimensions Warriors hein, qu'on utilise là. Tiens, il y a plus de zombies, ils ont tous despawn, vu qu'on est parti loin. Oui, bah j'espère bien. Ah, du coup, t'es déjà parti, toi. Ouais, par contre, j'ai bientôt crevé parce que j'ai fait un saut tellement pas bien. Bien joué. Et donc, il y en a qui commencent à respawn, justement, parce que je suis comme un con en plein milieu. Ok, donc moi, je vais farmer avec mon stick. Comme ça, si jamais il y en a un qui me loote du fer ou quoi, bah, j'en aurai plus, possiblement. Ok, j'ai failli prendre des dégâts. Putain, mec, invasion 2 recommence. Ok, là, il n'y a que de la rotten. Hop. Moi, j'ai direct pété ce spawner de mort. Tiens, je l'ai sécu. Hop, on a un livre fait par l'auteur, je crois. Laissé par l'auteur. Ah bon? Ouais, tiens, ça y est, je suis sur le pont. Tant. J'aimerais bien qu'il y en ait un qui me loue du fer. Là, je verrais trop musique badass Skyrim. Ouais, enfin... Oh putain, squelette de mort. C'était comme pendant un montage, je m'étais éclaté. Genre, tu vois, j'étais seul face à 3 mecs en PVP. Ah oui, je l'avais vu. Ah, je m'étais éclaté quand j'avais fait. C'était sur la vidéo où tu défiais Naze. Ouais, je violais Naze au passage. Oui, aussi. Mais on l'embrasse. On l'embrasse. Avec tout notre amour. Ah, oh, putain. Un petit coffre déjà non, pris. Non. Pourquoi j'ai l'impression de me faire niquer à chaque fois que je passe sur un coffre? Parce qu'il y a que de la merde à l'intérieur, peut-être. Non, parce que tu les as déjà pris. Ouais. Ah non, mais là, je suis en mode écumage. J'écume tout. Bah moi j'ai juste éclairé en mode gros porc. Tiens, j'ai un autre coffre et lui il était chaud à avoir donc je pense qu'il y aura du truc. Oh y'a une vache. Oh, deux vaches. Y'a deux vaches. Y'a quatre vaches. Oh yeah. Mec, j'ai 5 œufs. Eh, faut juste pas qu'il meure, faut juste pas qu'il meure. Mec, j'ai eu 5 œufs. Ok, donc là clairement je m'en fous du farm de fer ou quoi, Osef. Putain, par contre la molette de souris commence à faire de la merde. Ah ouais. Moi elle est bien là. Je l'armée correcte, hop, voilà, merci. Allez, va mourir, toi. Allez, tous mourir, bande de saloperie. Est-ce qu'il y a une autre zone que j'ai pas explorée du tout? Parce que niveau des maisons, je crois que j'ai tout exploré quasiment au niveau maison. Toi, crève. Attends, je vais partir sur le toit, comme ça ils me feront pas chier. Non, et encore, non, j'ai tout exploré. Non, il y a une dernière maison que j'ai pas explorée. C'était celle dans laquelle on a trouvé la laine, je l'ai pas fini. Oh putain, eh mec, t'as l'armée derrière moi, là. Mec, il y a plein de vaches, c'est trop cool. Ah parfait, ah je vois où t'es. Mais une fois qu'elle sera sécure cette zone, ce sera tellement la vie. Tiens, Magic Book tier 2. Oh putain. Oui. J'ai un putain de livre. Ah ouais, c'est vrai que t'as pas mal de vaches, ouais. N'hésite pas à venir m'aider hein, au cas où. Bah, attends, là, je suis déjà en train de gérer mon truc. Si jamais dans un élan de bonté extrême, tu te dis hey. Ah non. Eh hey, mais mec, en fait, il y a plein de vaches. 1, 2, 3, 4... 4, bah c'est déjà plein en fait. Allez voilà, je pète ce spawner là. Moi j'éclaire là où je suis au calme. Putain, il m'a buté ce bâtard. Et là on t'a tout fait là, j'ai l'impression, je sais pas pourquoi, là tout à l'heure on a galéré, là on a torché la zone là. Ah bah là oui, on l'a bien niqué sa race. Wow, la souris elle fait de la merde en ce moment. Je vais la tuer. La joie du sans fil. Combien de minutes? Hein? Combien de temps?
De quoi? La vidéo. Ah, de 25. Okay. 25-30. Ça passe. Là, j'ai passé devant tous les spawners que j'ai sécu, je vais tous les casser, comme ça, histoire ouais. de Moi, après, je vais profiter que j'ai pas de mob sur ma gueule pour les péter. Vas-y, aussi. Vas-y, mec, t'as vu comment elle est la zone? On essaye après, je suis pour qu'après on essaye, vu la gueule de la zone, qu'on essaye d'en faire notre zone avec tous nos champs, qu'on y mette des champs, des conneries comme ça, qui on sécurise tout. Ah oui, surtout qu'on a déjà toute la terre prête. Ouais, on a déjà tout prêt, quoi. Il suffira juste, en fait, qu'on casse tout ce qui est spawner. Et bon, ouais, ça, à la limite, on le fera hors cam aussi. Hein, peut-être. Ce qui reste le plus compliqué à faire, hein, j'ai envie de dire. Ou au moins sécuriser une partie, quoi. Là, il y a un spawner, mais je sais pas où il est, donc je peux pas le péter. Il me reste que 6 torches. Donc, comment te dire que ça va être chaud? Je sais pas où est-ce qu'on peut avoir du charbon. Potentiellement nulle part. Ah, mais je suis con. Non, mais c'est bon, en fait. Cette zone, elle est pas du le charbon, c'est tranquille, en fait. Enfin, pour l'instant, on n'a pas de charbon, mais on aura du charcoal. J'ai trouvé un spawner. Putain, la souris. Ah, mais nique t'es mort. Eh, mais gars, là, je suis en mode exploration. C'est Kevo l'exploratrice. Ah. Saute. Saute, Billy. Ok, saute, très bien. Billy, arrête de manger. Et puis... Souris de merde. Calme-toi. Vivement que je la change. Bon bah moi je peux plus rien faire. Putain, pourquoi t'as Origin qui se lance sur mon ordi? Il est casse-couille lui. De quoi qui se lance? Il y a Origin qui s'est lancé comme ça en mode YOLO. En mode hey, salut. Bah oui, mais au passage il m'a fait perdre un petit peu de FPS. Ça, sur le coup j'ai une toute petite chute. Allez, meurs toi. Putain, les zombies vont arriver sur la gueule. Ouais, là je suis en train de tout torcher. Bah moi je sais pas où t'es. Ah ouais, si c'est bon, je t'ai vu passer. Suis la lumière. Moi j'ai plus de torches donc et j'ai plus d'épée. Enfin, moi je crois que j'ai utilisé toutes mes torches dans cette vie, dans cette là maintenant. Oh, oh putain, c'est quoi ce massacre? Ouais, c'est gros à tous. Putain. Voilà, merci. Toi, ah, dégage. J'ai vu un spawner, il y a un spawner là. Quitte la terre ferme toi. Un spawner dégage. Sous. Ouais, mais ça je m'en bats les couilles en fait des spawners moi pour l'instant. Je suis en train d'essayer de sauver ma peau. Ok. Oh patate. Oh, sérieux? Oui patate. Oh putain ouais. Oh putain mais mec. Là, oh bah là on est tranquille. Bah je pense niveau bouffe à la limite on s'en fout même des vaches maintenant. Mais l'épisode de la chatte. Non mais les vaches c'est quand même bien au niveau cuir. Ah ouais. Non, on va mourir toi. Bah à la limite les vaches on les met juste au fond de la zone et on les sécurise histoire qu'aucun zombie ne vienne, comme ça on peut y aller. Et puis après les vaches niveau bouffe c'est vachement mieux. C'est vachement mieux. Parce que, putain, non mais c'est pas fait exprès. Non mais comment te dire que un steak ça te régène 4 carottes en fait. Je sais, non mais pas les patates c'est plus rentable. Non bah non, le plus rentable c'est les steaks. Ouais non mais je te parle niveau niveau quantité. Ouais après quand t'as un grand. Ça dépend l'élevage de vaches que t'as, oui. Ouais. Mais putain ma souris qui bug à mort. Ouais c'est parce que j'étais plus sur le tapis de souris. Oh putain mais il est con lui. Non mais en vrai j'en sais rien. Je fais des hypothèses hypothétiques. Bon si tu venais là, parce que moi j'en ai marre. Je suis là. Et je te regarde galérer. J'ai encore une épée qui a lâché, c'est super. Non, pas mes flèches, mon épée s'il te plaît. Hop, hop, merci. Ah pour le moment je m'éclate bien sur cette série. Hein. Ah franchement ouais c'est cool. Ça change gros, vraiment. Hein. Gros kiff. T'as pas éclairé là au centre? Ah bah j'ai une torche, c'est bon j'éclaire. Je sais, j'avais essayé d'y aller mais vu le nombre de morts qu'il y avait j'ai abandonné. Par contre j'avais qu'une seule torche donc fuck. Hey, mais putain, oui, mais je me rends compte, nous par rapport à ce qu'on a dans The Walking Dead c'est des petites bites, attends. Ouais mais en fait je... Non. Mais je crois en fait il y a un spawn naturel de vaches ici. Parce que depuis il y en a de plus en plus, tout à l'heure j'en avais 4. Mais ah ouais donc je pense que le mec il a dû faire exprès un spawn naturel de vaches. Attends, 6, j'en ai 6 en vue là. Une 7ème ici. Ouais j'ai 7 vaches. Je pense qu'on est bien. M'en sortir. Je pense qu'on est plutôt bien niveau bouffe là pour la suite. Je pense qu'avant de rec le prochain épisode, parce que je pense qu'on va quand même enchaîner. Ouais. Je pense qu'avant de rec le prochain, on va se faire une pause. Grosse session. Grosse session. En fait, je te dis juste ça à toi. Est-ce que demain matin t'es libre? Demain matin, on est quand? Demain mercredi? Oui, oui, aucun problème. Bah ouais, parce que demain après, moi, je ne suis pas libre, mais demain matin, je suis libre. On pourrait. Ah, t'es pas libre. Demain après-midi, non. Mais demain matin, on peut s'enchaîner des épisodes. Hein. Non, mais c'était pas pour cette série-là. C'est parce que Xo est dispo que demain pour Dimensions Warrior. Ah, bon, pour avec ce week-end. Au pire, ouais, mais... À la limite, demain, on pourra s'occuper du serveur parce que, oui, si vous suivez Dimensions Warrior, on a eu encore des problèmes avec le serveur.
Mais donc là, vu, je pense, vu la, à la date où c'était... Ah ouais, j'ai l'impression, ouais, t'as raison, les vaches, elles sont de plus en plus nombreuses. Hein. Ah, t'es été level combien? 29. Oh mais mec, quand on aura la table d'enchant, on va se marrer. Oh non mais gars, surtout avec les vaches, on va se faire des livres. Mais imagine les livres avec les enclumes et tout, et notre level d'enchant, comment ça va être chelou. Eh oui, ah par contre, là, je commence à avoir des lags, je sais pas pourquoi. Moi, non. C'est peut-être ton turek avec quel logiciel? Bah Fraps. Par contre. Bah avec Fraps, je pense que si ton dossier Fraps est blindé, à un moment, t'as des lags pour sans aucune raison. J'ai déjà eu ça sur ma chaîne pas mal de fois. C'était on est à 31 minutes. On arrête? Oui, je pense. Donc je te propose qu'on essaie de se retrouver là. Bah viens, on va au haut de la maison. En haut de la maison, on a eu la laine. Il faut que je redémarre Fraps. Ok, bah on va en haut de la maison où on a eu la laine et on se laisse. Là-bas. Ouais, il faut juste que je me que je la retrouve et puis c'est bon. Bah que je trouve un accès sécur surtout. Ouais, je crois que il faut que je redémarre Fraps. Putain, l'archer qui essaie de me snipe. C'est ici qu'on a eu la laine ou c'est ici. Ouais, putain, je suis derrière toi, gars. Nique ta mère, l'archer, nique ta mère. Oh c'est bon, putain, faut pas qu'il me touche. Non, non. Putain, c'est bon. Ah, il y a un coffre avec des magic books. Ok. Alors attends, ça, il disait un truc sur ces books au début. Bah je sais que j'en ai eu un qui aura de feu tranchant 1, recul 2. Will work without putting them on a sword, however you can put them on a sword using an anvil. Mais oui, mais je sais pas de quoi ça parle. En fait, je sais pas. Bon allez, de toute façon on va laisser là. J'ai fait l'intro, tu fais l'outro comme d'hab. Ok, bah écoutez, j'espère que vous aurez kiffé cet épisode. On aura récupéré une troisième laine. Troisième, bah, oui. J'ai l'impression que ça va être une laine par épisode peut-être. Ouais, peut-être pas, enfin pour l'instant ouais, mais enfin première intersection c'est possible, par la suite ça m'étonnerait. Ah ouais, par la suite ça risque d'être nettement plus chiant. Je te propose que la dernière fois on va dans l'autre, je sais plus comment elle s'appelle, mais le truc là avec un G. Machin Grix. Bah moi je me rappelle du castle, après l'autre je sais pas. Ouais, il y en a un truc qui a Grix et moi je suis pour qu'on fasse le castle en dernier parce que je crois qu'il y aura la, enfin je sens venir le galère sur le castle. Oui, castle et dit gros machin, dit gros... Bon bref, on va s'arrêter là pour ce troisième épisode. J'espère que vous aurez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Parce qu'en tout cas, nous, on a kiffé. Ah bah, nous, c'est un kiff. Hein. De toute façon, je le répète à toutes mes vidéos quasiment. Rien qu'une vidéo, c'est un kiff. Donc bon, voilà. Donc, hop, j'espère que vous aurez kiffé. C'était Schnaptix et Kevo18. Et ciao tout le monde. Allez, salut tout le monde.